Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son petit écran. Eh bien aujourd'hui on va faire, vous l'avez vu en vignette, une deuxième vidéo de J'achète ce que je touche, vous avez adoré la première. Donc là on est dans une grande surface, encore dans un champ d'ailleurs. Et puis on va faire la... comment dire, on va visiter les rayons et on va faire des J'achète ce que je touche chacun son tour. Et il y a le livre de Rémi sans famille que j'ai vu juste derrière. Ah d'accord, là-bas c'est le rayon des livres et on l'a vu au cinéma, c'était très très bien. Et Athéna, comme tu es la plus jeune, c'est toi qui va commencer par toucher avec les yeux bandés quelque chose et on l'achètera, ça sera pour toi. Et c'est Calice qui va choisir dans quel rayon on va aller pour commencer. D'accord Calice? Allez, viens me dire ça en secret pour pas que Athéna entende. Alors Calice, Athéna nous entend pas, dis-moi tout, dans quel rayon va-t-on? Au rayon DVD. DVD? Ok, alors c'est parti. Alors, on a trouvé un bandeau dans un rayon qui est très sympa. Oups, voilà. T'es prête Athéna? Oui. Attention, c'est Calice qui t'amène au rayon. C'est parti Calice, à toi de jouer. Vous avez entendu où on va? Regarde, on peut même la tourner un petit peu au départ pour pas savoir dans quel sens on va. Allez, c'est parti. Même Calice, elle était bien la pauvre. Tellement grand. C'est ça qui est génial dans un centre commercial comme ça, dans un supermarché. C'est tellement grand, c'est que même quand on voit, on est perdu. Alors, je vais te guider, Calice. C'est par là. Athéna ne sait pas du tout où on va. Elle se laisse guider, c'est ça qui est drôle. Et ensuite, elle va acheter. Enfin, c'est moi qui vais acheter plutôt ce qu'elle va toucher. On approche. C'est pas assez si vous l'avez. Où ça? Par là-bas? Ah. Ah oui, c'est plus par là. Ah oui. Alors après, ça dépend de quel côté elle va aller. Hein. C'est ça le. Elle peut aller par là, elle peut aller par là, elle peut aller par là, elle peut aller par là. Alors attention. On sort Athéna. Youhou! On tourne un petit peu. On la pose. Attention, 3, 2, 1. Et quand tu veux, Athéna. Où est-ce qu'elle va Athéna? Cette petite étiquette du bandeau. Ah, il faut revoir l'action ralentie, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a touché en premier. C'est une série signée DC Comics, donc ceux qu'on fait Batman notamment. Voilà, cinquième saison, la sixième saison de Arrow. On n'a même pas vu les cinq premières saisons. Bah bravo, ceci est à toi Athéna. Ah non, c'est à partir de 16 ans. Ah. Elle peut pas. Alors je le prends pas. Ah oui, comment on fait? On prend celui-là. Ouais, parce que le but c'est quand même qu'elle puisse... Bah alors on prend pas. Non, ça c'est pas mieux ça. House of Cards c'est vraiment... D'accord, bah on recommence. On recommence, allez, on recommence. On met le bandeau. Bon, tu sais où on est, mais c'est vrai que 16 ans... bon, le but c'est quand même qu'elle le regarde. Donc exceptionnellement, voilà, un deuxième joker. Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Attends, on va tourner là. Est-ce qu'elle va tomber sur quelque chose de son âge? Attention. Bon, on a changé d'endroit un petit peu, Athéna. Tu vas où tu veux, derrière, devant, à droite, à gauche. Je vais te tuer. Alors, est-ce qu'elle va tomber sur quelque chose qui va lui plaire? Oh là, arrête. T'as touché le vide. Oh. T'es tombé. Ah. On va acheter le sol. Tu chauffes là par là. On lui donne un petit indice. Tu vas droit devant. Un peu plus à droite. Non, il n'y a rien pour l'instant devant. Bah, avance un petit peu, voilà, avance un petit peu. Oui, oui. Ah, presque. Avec tout ça, ouais. Truc, n'importe quoi autour. Ah, ah. Oui. Enfin. Ça y est, attends. Touché quelque chose que tu peux regarder. Voilà, parce que Arrow, c'était quand même pas trop ton âge. Ah. Bon, ça te fait plaisir, Hercule. Tu l'as vu ou pas? Ah, tu l'as vu en anglais sur le bateau. Ouais. Mais voilà, tu vas pouvoir le voir en français. Eh bien, ça y est, c'est à toi. Tu l'as touché. Je l'achète. Bravo. Maintenant, c'est au tour de Calice. Athéna, tu viens me dire en secret où tu veux emmener Calice pendant qu'elle va le mettre dans le caddie, le petit DVD de Hercule. Alors, est-ce que tu as une idée? DVD. DVD. Ok, c'est parti. Alors, attends, hop, le bandeau, c'est pour Calice. Calice, à toi de monter dans le chariot. On t'amène dans un endroit magique. Ou pas. Ou pas. Tu mets le petit bandeau. Tu me dis honnêtement si tu vois quelque chose ou pas, sinon tu essaies de pisser. Non, je vois rien. Tu vois pas? Ok, c'est cool. On y va, t'es là? Moi, j'aime pas toucher. On tourne un petit peu au chariot pour savoir. Bon, déjà, on va aller dans l'allée principale. Ok, allez, c'est parti.
qu'on est arrivé où tu voulais, Athéna. Ouais. C'était pas très très loin, t'as vu, hein, Calice, on n'a pas beaucoup roulé. Mais on a roulé un petit peu quand même. Alors, viens un petit peu par ici. T'es sûr? Et on tourne. Attention, stop quand tu veux. Allez, c'est parti. Attention, ça va être le cas. Tac. Alors là, c'était quel doigt en premier? Celui-là, celui-là ou celui-là? C'était celui-là en premier, je crois aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah déjà, c'est Cazeneuve. On connaît Cazeneuve et William, on les a rencontrés. Et c'est quel BD? Parce qu'on est orient bande dessinée. C'est là que Athéna voulait aller. Oh, les Sisters! L'album numéro 3. Et même Athéna pourra le dire. Bah bravo Calice, t'es contente ou pas? Bonne pioche, hein. Oui, ouais, regarde où elle est. T'aurais pu tomber sur Miss Melody, t'aurais pu tomber sur Oggy et les cafards en truc, t'aurais pu tomber sur un livre à colorier de réponses. ça je pense que ça a été pour Athéna pour le coup. Ouais, c'est pas mal ça. Une bonne pioche, hein. Il y a eu plein de BD en fait. Athéna avait choisi le rayon bande dessinée. Bon, alors maintenant on va faire la troisième manche avec Athéna à nouveau, et c'est Calice qui va me dire en secret dans quel rayon on va aller. Donc Athéna, regarde les bandes dessinées. Montre-moi Calice où tu veux aller. Tu veux pas aller très loin, je pense. Elle veut rester dans le même coin. En rayon puzzle? Alors elle peut tomber sur les puzzles, mais attention, parce qu'elle peut aussi tomber sur la papeterie. C'est pourquoi pas, hein. Elle peut tomber sur des feuilles doubles, sur des enveloppes, ou sur des agendas. Bon. Ça sent pour moi. Est-ce que c'est là que tu veux l'emmener? Ok. Allez, c'est parti pour les puzzles. Ça y est, on est dans le chariot, tu peux mettre ton petit bandeau. Ok, t'es prête Athéna? Allez, on se balade. Et voilà. Est-ce que c'est ici que tu voulais l'emmener, Calice? Ok, attention Athéna, on sort, on est arrivé. Gros câlin. Et gros bisous. Attention, on recule un peu le chariot. On tourne. Voilà. C'est parti Athéna. Oh, attention, tu vas tomber. C'est quand tu veux. Ce que tu touches, je l'achète. Oh, c'est ça, on est d'accord? Oui, on est d'accord. T'es tombé sur... Eh ben... Ça y est, tu peux enlever le bandeau. T'es tombé sur un puzzle avec des éléphants dessus, des lions, des rhinocéros. Mais après, j'ai touché ça. Ah oui, après. Mais là, tu as gagné un éléphant. Mais c'est un puzzle, c'est bien le puzzle. À partir de 5 ans, tu vois, c'est quand même des morceaux de 49 pièces. Ça change des morceaux de 4 pièces quand t'étais bébé. Allez, on continue. Athéna, est-ce que t'as une idée où emmener ta sœur pour le rendre suivant? Tu sais pas? Alors je te laisse réfléchir et tu vas nous dire ça en secret. Alors, Calice est là-bas. Oh, pourquoi j'ai un Super Mario? Super Mario qui a des boules de feu! Ouais, donc là, Athéna, c'est à toi de dire où on va emmener Calice, au quel rayon? Au rayon dentifrice. Donc au rayon dentifrice, cosmétique, brosse à dents, bref, un truc improbable. Ok, bah c'est parti. Je sais pas quelle tête elle va faire. Go! Alors Calice, ça y est. Elle est en train de dire Sister. T'as plus qu'à monter dans ton bolide avec ton magnifique petit bandeau et on va se rendre là où Athéna m'a dit en secret. Allez, c'est parti autour de Calice. T'as bien vu le bandé, tu ne vois rien? Alors, on y va. En route, moussaillon. Alors, on passe à gauche. On va faire le petit chemin en accéléré et en musique. C'est parti. Hop, on va t'arrêter là. Calice, on sort. Allez, on tourne. Et stop. Quand tu veux. Oh, pardon madame. Qu'est-ce que je vais demander, c'est pas évident. Hop, 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 hop. C'est quoi? Des rayons dentifrice et brosse à dents. Il y avait des rasoirs, hein. Il y avait des parfums, des autres colognes. Mais t'as touché un dentifrice. Une protection, et un protection email. C'est-à-dire que ça, en plus, ça protège tes mails. C'est génial. Ah, email, pardon. Ouais. Oral B 3D White. En plus, t'as les dents en 3 dimensions en fait. Bonjour, une petite fan. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah? T'as quel âge? 7 ans. Oh, bah, c'est qui nous regarde. Ça fait plaisir. Et Athéna, elle a gagné un dentifrice. Ah, Calice a gagné un dentifrice. Voilà, Athéna retourne dans le chariot, il y a Sarah, une petite femme qui nous voit. Et donc du coup Calice est en train de me dire que t'as pas aimé. Et tu peux te venger.
Alors, dans quel rayon tu vas emmener Athéna du coup? Le rayon produits laitiers. Produits laitiers. Oh. Ok, avec le beurre et tout ça? Avec le fromage. Ok, c'est parti. Alors, Athéna. Elle m'a dit qu'elle allait aller dans un truc que j'ai dit que j'allais détester. Détester, ouais. Je sais pas, mais bizarre. Allez, on met le petit bandeau. On est parti, on va faire demi-tour. Hop là. Quelle idée, Caïs, mais quelle idée! Ça pue le fromage! Ah, ok, c'est un rayon fromage. Non, mais on est pas arrivé en douille. On va au rayon en douille en fait. Là, il y a une petite femme qui nous a reconnus aussi. Allez, on va ici. Ah oui, mais il y a des vitres aussi là. Voilà, touche la vitre, après on ouvre la vitre, il y a tout quelque chose devant. Ah, d'accord. On va faire comme ça. T'es prête, Athéna? On sort ici ou pas? Ouais. Ouais? Allez, viens, Athéna. Ouh! Is! À toi de jouer, Calis. Donc là, Athéna, tu vas tomber sur une vitre. Donc, tu vas ouvrir la vitre qui correspond et après, tu retoucheras quelque chose derrière la vitre. Donc, déjà, tu vas où tu veux. Bah, ah, ça change de sens. Elle y va à l'odeur, tu sais. Elle va là où ça sent le moins mauvais. Attention, elle touche la vitre là. Alors, j'ouvre la vitre. Allez, maintenant, droit devant. Ah, quel doigt en premier. Je pense que c'est celui-là également, ouais. Eh bien voilà, tu es tombé sur le rayon des yaourts et des desserts. Au début, c'était le lait. Mais on s'est dit, tiens, ça va être plus sympa ici. Et tu es tombé sur des yaourts sur lit de fraises onctueux et savoureux. C'est pas mal. C'est mieux que dentifrice. Tu pourras partager avec ta soeur, chérie. J'ai vu, je voulais faire du fromage, mais comme ça pue trop. Maintenant, Athéna, tu vas me dire où tu veux emmener Calice pour conclure cette vidéo. J'achète ce que je touche, le troisième round. C'est toi qui décides. Réfléchis, je te laisse réfléchir, on va mettre ça dans le chariot, c'est parti. Alors Athéna, où veux-tu emmener Calice maintenant pour terminer cette vidéo? Dans le rayon où il y a des t-shirts. Des t-shirts, au rayon vêtements? Ok, alors c'est parti. Allez Calice, je crois qu'on a décidé. Et on s'équipe du petit bandeau. Mais est-ce que magique. C'est gentil? Papa, est-ce que c'est gentil? Oui, c'est très gentil. Bah tout est gentil, hein. Dans une grande surface, tu vas pas tomber sur des pièges jaloux non plus, hein. C'était un piège à loup. Ah dommage, c'était une prise électrique. Non, tout est gentil dans une grande surface. Le dentifrice c'est gentil, c'est peut-être moi qui vais l'utiliser. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'âge dessus, mais peut-être que Calice a pu l'utiliser quand même, mais elle n'aime pas trop la menthe. Dites-nous en commentaire si vous aimez les dentifrices à la menthe. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas ça, et il y a beaucoup de dentifrices à la menthe. Je trouve ça incohérent. Allez, c'est parti. Accéléré, musique, maestro. On arrive bientôt. Ah, il y a un petit peu de place pour s'arrêter ici. Ça y est, Calice. Est-ce que c'est bien ici? Ouais. Ok, Calice, tu peux descendre. On l'a fait tourner, Calice, Athéna. Quand tu veux. Ok, et c'est quand tu veux. Hop, 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 t'as déjà touché. C'était celui-là en premier, effectivement. C'était ça. Le rayon vêtements. Ah, ça lui plaît? T'aimes pas? Les vêtements, c'est sympa. Et t'as touché quelque chose de chaud. Alors, on a dit par contre qu'on prendrait quelque chose à ton âge, évidemment, si on t'oublie pas sur quelque chose à ta taille. Il y a que ça en couleur noire. Ouais, mais en couleur blanc sinon. Est-ce qu'il y a quelque chose à sa taille en couleur blanc? Dis donc. Non. On peut trouver quelque chose à ta taille dans ce truc qui tourne là. Voilà. Là, on est sympa quand même, parce que si tu prends quelque chose de 8 ans, ça t'ira pas, évidemment. C'est quel âge ça? 12 ans, hein, c'est pas mal. Ça te plaît ça? C'est mignon! Tout doux! Eh ben voilà, ça y est, on a fini sur un magnifique petit vêtement. C'est mignon, Athéna, ce qu'elle a touché? Ouais? Non, elle aurait pu tomber sur quoi? Elle aurait pu tomber sur de la doudoune. Elle aurait pu tomber sur des t-shirts. Elle aurait pu tomber sur des pantalons aussi. On était pas très loin des pantalons, pourquoi pas. Elle aurait pu tomber sur des joggings également. Elle aurait pu tomber sur des leggings, sur un foulard. Voilà. Bref, sur du textile, confection fille.
t'aurais pu tomber sur des bijoux, ça va être un petit peu plus grand. Bon, ça va, bonne pioche. Alors, on récapitule tout ce que vous avez eu dans ce « J'achète ce que je touche ». Athéna, t'as eu quoi? T'as eu... un DVD de Hercule. T'as eu un puzzle éléphant. Et t'as eu deux yaourts sur lit de fraises. Et toi, Calice, tu as eu une bande dessinée des Sisters, le tome numéro 3, un dentifrice 3D White, ouais, et un magnifique petit, je sais pas comment ça s'appelle, petite veste blanche, voilà, je sais pas comment il s'appelle ça, il y a pas de mot, et ben c'est magnifique, ça va tenir chaud pour l'hiver, ça te plaît Athéna? Ouais. Toi Calice, la dentifrice, à part le dentifrice salé, ouais, non? Ça va. T'es déçu? Les Sisters, t'aimes pas? Si. Ah, c'est ton préféré. Ouais, c'est ça, hein, c'est le but hein, du jeu. J'achète ce que je touche, on ne choisit pas. Mais vous êtes pas mal tombés, à part le dentifrice, c'est vrai. Ça, c'était une idée. C'est une rigolote. Eh bien, nous, on se retrouve bientôt sur Studio Bubble Tea. On se fait un gros bisou. Calice va pouvoir aller à les Sisters. Et puis, Athéna va pouvoir manger son yaourt. Allez, à bientôt. Gros bisous, les filles. Bisous, Athéna. Bisous, Calice. À demain ou à bientôt. Et d'ici là, soyez vous. Soyez bien, soyez bon.